Hey, salut à tous et à tous, ici Mr Game. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur un test de rétro sur NES. Donc alors c'est Batman Returns of the Joker. Donc je l'ai acheté il y a pas longtemps à eCash, genre hier quoi. Donc voilà, j'avais acheté que ça, donc il m'avait coûté 60 euros. Donc alors comme vous pouvez voir là, il est un peu abîmé et ici aussi, mais ça fait rien, c'est juste un peu, enfin un peu, c'est vrai, c'est soirée, bon, bref. Donc alors il est complet. Attendez, je vous montre ça. Donc j'ai bien sûr mis la protection, vu que ce jeu vaut en réalité 100-150 euros. C'est en parfait état. Et donc celui-là devrait peut-être coûter 80 euros. Donc, alors, je vais sortir de la boîte. Alors, donc on a le jeu. Donc voilà. Là, alors au début, il n'y avait pas le fourreau, mais j'avais un fourreau qui traînait. Donc j'ai mis le fourreau. Ah merde. Donc j'ai mis le fourreau avec. Voilà. Et comme vous voyez, il y a la notice. Et vu que le jeu est à cette hauteur, pardon, ça veut dire qu'il y a le polystyrène au fond. Donc alors le jeu est complet du coup. Donc je suis vraiment content de cet achat. Donc vous pouvez aller voir sur internet, sur eBay ou quoi que ce soit, le prix. Donc si ça vaut pas 60 euros, ça en vaut plutôt 100. 100, 150. Il y en a même qui tournent vers les 200. Mais bon. Moi, bon, il le vaudra pas à ce prix, vu qu'il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Bon, alors moi je vous propose qu'on allume la télé, qu'on allume la console et qu'on éteigne la lumière. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, que vous verrez bien. Je vous laisse écouter la chanson, la musique. Donc j'espère que c'est pas trop fort, j'espère que vous m'entendrez. Donc voilà, je vais quand même un peu baisser. Voilà, on baisse un peu. Alors, donc B, c'est quand même, c'est toujours la même chose, c'est pour tirer. Donc, alors après, il y a des techniques. Donc, voilà, comme vous pouvez voir. Donc, alors, c'est pas le meilleur jeu, hein, je vous le dis. Un peu, celle-là, c'est un peu sadique. Donc, là, je me laisse plus de 2 fois. Là aussi. Voilà. Alors, ce jeu est plutôt bien. Voilà, donc. Bon, il vaut pas son prix, voilà. C'est pas vraiment le meilleur jeu, bon, même pas du tout. Donc alors, je sais pas si vous connaissez, j'ai pas fait le test, mais si vous connaissez bien le jeu, vous, ça vous rappellera, enfin pas ce jeu-là, mais un autre jeu, ça vous rappellera un son. Donc, moi, ça me rappelle le son de Fester Quest, donc même les armes, donc cette arme-là aussi, bah ça me rappelle pas, c'est... Ah! Merde. Donc c'est aussi, cette arme-là, elle est dans Fester Quest. Donc voilà. Donc un jeu que j'apprécie beaucoup, énormément même. C'est pas le meilleur jeu aussi, Fester Quest, hein, je recommande pas pour tout le monde. Donc alors le C là que je viens d'attraper, enfin que je viens d'attraper, bah, c'est au final le meilleur. Pourquoi je suis bloqué là? Ah, il va mourir. Donc voilà. Donc le C que je viens d'attraper, du coup c'est le meilleur pouvoir. Donc oui, c'est des pouvoirs, enfin des pouvoirs, des gadgets. Donc voilà. Donc là, on va passer une autre map, va-t-on dire. Donc alors, on peut le buter dès qu'il a les yeux ouverts, enfin dès qu'il va nous taper, quoi. Voilà. Donc, ce jeu est sorti, il me semble, je suis pas sûr, hein, mais vers la fin de vie de la NES. Je suis pas sûr, hein, parce qu'il y a eu assez, il y a eu un autre Batman, il est sorti bien avant. Donc alors, ce niveau-là, il est chiant et dur. Parce que là, ça explose en plus, et ça vous revient à la gueule. Ah, non, va crever! Non, mais tu veux pas mourir? Non! Il est encore derrière moi. Voilà. Normalement, je l'ai buté là. Oh putain, mais il est encore derrière moi et tout. Ah, il fait chier ce qu'il fait. Non, il va crever. Non, mais pourquoi? Je le vois même pas, il est pas là. Ah, il est là, il est là, il est là. Il est là, là c'est bon, je l'ai buté. Non. Oh non, non. Donc, faut pas trop s'avancer pour pas se prendre les. Les trucs là, les bombes. Donc ce jeu est vraiment sadique, hein. Bon voilà, je suis mort, hein. C'est génial. Ma vie est passionnante. Voilà, oui, Batman c'est ça. Hein. Bon normalement c'est pas ça, hein. Il se sert plutôt de ses points que de ses gadgets. Il se sert plus de ses points que de ses gadgets. Donc alors votre première arme, c'est bien de la merde, hein, voilà. Vous allez mettre des plombs à buter le type. Alors là, on va un peu s'avancer juste pour buter ça. Voilà. Donc, alors j'ai toujours pas essayé le premier Batman qui est sorti sur la NES.
Et j'aimerais bien le tester, mais je bah, voilà, j'arrive pas à le trouver. Et là, voilà, je n'ai pas forcément l'envie de l'acheter, enfin, de l'acheter, de le commander sur Internet, quoi. J'aimerais bien le trouver sur eBay ou quoi que ce soit. Enfin, sur eBay, sur Cash Express ou eCash. Et comme ça, je pourrais faire une vidéo test dessus. Ce sera plutôt cool, j'espère. Oh putain. Ah! Donc ça là, les boules cheloues là, ça va dans le E qu'elle a. Bon là vous le voyez pas parce que c'est de la même couleur, enculé. Oh putain, attends. Donc ça sert à avoir une sorte de pouvoir. Donc là, stage 1 sur 3. C'est assez étrange quand même, hein. Donc là il y a quoi? C'est un peu ridicule. En plus ça se joue avec des points. Donc voilà, c'est des points. Donc même les bruits quand quelqu'un me touche ou quoi que ce soit, ça ressemble énormément à, ben, au final à Fester Quest. Mais vraiment énormément. Hein. Ah putain. Non mais pourquoi t'es pas si touché, petit con? Allez, va crever toi. Donc alors là le power qui est en bas là, j'espère que vous voyez bien. C'est notre view au final, et c'est sa view aussi. Allez, bute-le, je m'en fous là, faire les bancs. Bam, c'est bon, là. Ouf. Bon au final c'est pas super galère, hein. C'est juste un peu stressant parce qu'on croit qu'on va se faire violer, mais au final non. Donc alors le Batman est étrange. Donc alors là on passe au stage 2. Merde, j'ai eu S. C'est quoi ce saut de merde? Alors, hein, là c'est ce que vous allez faire le plus souvent, tomber. Donc, ah putain, merde. Ouais, là c'est mieux. Ok. Voilà. Hop. Bah, alors là, la première chose, il faut que je tire, hein, je saute. Voilà. Ah, voilà. Donc là, en plus, la bande. Donc le E, c'est pas de l'énergie à reprendre, enfin ça ne donne pas d'énergie. Ça donne de... Enfin après, ça va vous donner un super pouvoir au final. Donc voilà, que j'ai déjà eu, c'est plutôt badass. Hein. Bon, après, vous verrez jamais Batman faire ça, hein, mais bon. Ça fait soi quand même. Ça fait un petit super pouvoir en plus. Oh putain, ça me fait mal. Ah non. Ah, monte. Nine. Ah nine. Mais non, mais je vais même pas te buter. Salopion. Ok, voilà, je tombe. Ah oui, ça descend. Il y en a quelques-uns qui tombent. Nickel. Meurs! Meurs! Mais non! Va crever! Putain de merde. Va crever. C'est pas bon, hein? Attendez. Allez, va crever. Oui! Allez, allez, attends, je te chope. Hop. Ouh, ça se peinait. Allez, normalement, là, c'est le dernier. Oh putain. Non, c'est sadique, là, on voit pas quand est-ce qu'il apparaît! Voilà, yes! Ah, c'est mon nouveau record, là. Oh, ça a été sur deux. Très bien. Oh, soit avec ça. J'espère que vous vous sentez soit avec ça, parce que moi, je trouve ça soit avec... Ah, yes! Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ah! Donc c'est une petite phase en shoot them up. Voilà. Un peu de shoot. Bon, c'est assez étrange. Mais bon, bref. Ah putain! Il m'a buté le con. Il m'a buté. Donc on. Ah, il y a pitié quand on revient là. On revient là, on revient là. Oui, on revient là. C'est bien ça. Oh putain, une petite arme de merde là. Batman, t'as combien de fric? Oh putain, non, pas celle-là. Ah, c'est ça. Ah, bah celle-là, au final, c'est la meilleure pour là. Voilà. Donc alors le prochain test que sera sur sûrement un jeu de NES, de Super NES. Donc voilà, sûrement les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ou Oxley sur NES. Sur SNES, pardon. Je suis tellement habitué de dire sur NES. Donc alors là, j'essaie pas de me spécialiser mais d'être à fond sur la Super NES. Parce que la NES, je dis pas que j'en ai des milliards de jeux, mais
Par rapport à la fitness, ouais, j'en ai beaucoup. Mais bon, après, dites-moi un jeu de Super Nintendo que vous voulez que je teste et je vous testerai, ou un jeu de NES ou un jeu Mega Drive ou quoi que ce soit. Mon père adore Axley. Okay. Donc voilà. Oh, la Batmobile. Oh non, je veux pas aller dans la Batmobile. Oh, il y a même pas eu boss. Ah, dans la neige. Ah putain, tu veux que je fasse quoi là? J'ai pas sauté. Pourquoi j'ai pas sauté? C'est yolo, j'ai pas sauté. C'est de la triche. Non, c'est pas possible de ne pas esquiver ça. Non, mais pourquoi tu sautes pas? Il n'est pas sauté, il fait pas. Il fait. Même pas ça. Même pas quand ça saute pas, là, tu veux pas sauter, voilà. Là, pourquoi là tu sautes et après tu sautes pas? Attends, je vais attendre que. Non, c'est tellement sadique. Alors, voilà. Ah, voilà. Ah, putain, Taras. Va crever, va crever. Ah, va crever. Ah, putain, en plus, il y a une escalier, là. Alors, vous sentez bien ça, parce que moi. Nine. Ah, putain. Non. Putain. Va crever. Ah. Ah, c'est de la glace, donc je suis tranquille. Oh putain, non, oh putain, je suis bientôt mort. Ah, c'est bien fait le truc des arbres derrière. Je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve que c'est bien. Tataras! J'adore ce jeu, il est trop bien. Bon, on va vite fait continuer. Et prochainement, Ah, j'aimerais bien vous montrer le pouvoir. Ah! Ça, je m'en souviens jamais. Donc, ça. Non! Non! J'aime pas ça. Donc, ça monte le pro. Non, putain, pourquoi le B? Pourquoi le B? Pourquoi? Laissez-moi! Mais putain, mais plus le. Je mute là, je sais pas ce que c'est quand même. Désolé, petite interruption de mon père. Bon voilà, non, je suis mort, donc on va recommencer vite fait. Hein. Donc vraiment désolé, hein. C'était pas prévu. Mon père part, donc voilà, il va très tenu. Ah. Ok, alors. Non. Ah. Oh, c'était ce type. Mais en plus, il vient, il t'agresse comme ça d'un coup là. Ah, tu vas pas crever toi? Hop. Donc si je m'en souviens bien, c'est ici qu'on s'est agressé. Le fait c'est la première fois. Je sais pas pourquoi je saute là parce qu'il y a. J'ai pas confiance. Ah putain de ta race. Hop. Non 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 non. Putain mais il vient et t'agresse comme ça d'un coup. Ok. Super, non, j'adore. Bon, je suis vraiment désolée, je ne vais pas pouvoir vous proposer le. Enfin, je vais pas pouvoir vous montrer comment on fait. Comment. Enfin, le super pouvoir. Hein, parce que je sais pas ce que vous voulez. Enfin, ils veulent pas en lâcher, ces gros connards. Hein. Voilà, hein. Parce que là, on tombe. Ah non, on tombe pas. Ah putain, c'est vrai. Bon. Alors moi tout ce que je peux vous dire c'est j'espère que la vidéo vous aura plu hein, donc voilà la prochaine vidéo va arriver dans vraiment pas longtemps normalement j'espère. Alors les gars si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, demain non plus, j'aurai pas le temps mais demain je vais voir un film, bon demain je vais voir tout le monde dit donc j'aurai pas le temps. Oh j'ai passé ce moment là. C'est sadique. Bon, alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et tout ce que je peux vous dire, moi, c'est regardez le décompte. Et... Ciao, à la prochaine. C'était Mister Game.